Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans cette célébration. Désolé pour notre problème avec notre portrait tout à l'heure. C'est pourquoi nous sommes une petite répart de 5 minutes. Dans cette célébration, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, que Dieu notre Père vous comble de sa tendresse et de sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dès le début de cette célébration, situons-nous devant Dieu en toute vérité, en reconnaissant nos faiblesses et nos fautes. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as pris chair pour éprouver notre fragilité, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, vainqueur du mal et de la mort, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Dieu très haut, Jésus, ton envoyé, a suivi parmi nous le chemin d'abaissement qui conduit à la gloire véritable. Fais-nous découvrir dans son humilité le sens de notre vie pour que nous marchions à la lumière de l'Esprit Saint et nous te louerons dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Ben Sirac le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la pauvre. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Seigneur à tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu, tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arrachée à la gueule du lion et le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Que voici. Deux hommes montèrent
au temple pour prier. L'un des pharisiens et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je me jeûne deux fois par semaine et je verse les dixièmes de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, s'étonnait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole du Seigneur. Pardon, grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous devons lire très soigneusement cet évangile de Saint Luc. Une parabole adressée à nos cœurs. Des paroles de vie pour dévoiler notre authenticité humaine et chrétienne qui se justifie par l'humilité de nous savoir pécheurs. Mon Dieu, prends pitié du pécheur comme je suis. Et par la miséricorde et l'indulgence de notre Dieu, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. De l'authenticité, aujourd'hui, plus que jamais. Nous en avons besoin pour nous découvrir nous-mêmes et accentuer la réalité rédemptrice de Dieu dans nos vies et dans nos sociétés. C'est l'attitude convenable afin que la vérité de notre foi arrive avec tout son pouvoir aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui. Trois axes supportent cette authenticité évangélique. La force, l'amour et la raison. Premièrement, la force. La force pour connaître la parole de Dieu et pouvoir la garder dans nos vies malgré les difficultés. Il faut faire attention à ce point, spécialement de nos jours, car il y a beaucoup d'autofraude dans l'ambiance qui nous entoure actuellement. Saint Vincent de Lurin nous a avertissé déjà. À peine la pétrification d'une nouvelle erreur commence à se rendre que celui-ci, pour se justifier, s'empare de quelques strophes des Écritures, lesquelles en plus de forment avec fourberie et mystification. Deuxièmement, c'est l'amour. L'amour pour regarder avec tendresse, c'est-à-dire avec le regard de Dieu, la personne ou l'événement que nous avons en face.
Saint Jean-Paul II nous encourage à promouvoir une spiritualité de la communion que, parmi d'autres choses, consiste avant tout en les regards du cœur portés sur le mystère de la Trinité qui habite en nous et dont la lumière doit aussi être perçue sur le visage des frères, des sœurs qui sont à nos côtés. Et finalement, la raison, raison pour pouvoir transmettre cette vérité avec le langage d'aujourd'hui, incarnant réellement la parole de Dieu dans notre vie. Ils croiront à nos œuvres plus qu'à n'importe quel autre discours, nous dit Saint Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur sait reconnaître ses fils et ses filles lorsque vient le temps de faire la part des choses. Tournons-nous vers lui qui nous compte parmi les siens afin de lui exprimer nos intentions. Pour les hommes et les femmes qui veillent au bien commun dans les sphères politiques, économiques, sociales et juridiques, afin qu'ils soient toujours plus habités par un esprit de justice et de vérité, prions le Seigneur. Afin que leur détermination à guider le peuple reçoive le soutien de l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Pour les hommes et les femmes qui vivent dans la pauvreté, l'exclusion, la misère humaine, afin que leurs prières s'élèvent jusqu'au ciel et les remplissent de force, prions le Seigneur. En ce dimanche missionnaire mondial, prions pour les missionnaires de partout dans le monde, que chacun et chacune se sente appuyé dans leur service au sein de l'Église. Prions. Appelée à s'engager autour davantage dans la mission de l'Église afin qu'elle persévère à porter la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur.
toi qui portes une attention bienveillante à toutes nos prières, spécialement celles qui viennent de pauvres et des petits, montre-toi favorable à celles que nous t'adressons aujourd'hui. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ce que tu as créé pour la gloire de ton nom, racheté par le sang de la croix, et marqué du sceau de ton esprit. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Oh, yeah.
avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour sont réunis. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrute les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leur angoisse, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du Saint, du salut et progression avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères, nos sœurs, spécialement pour Ginette Dibord, qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons-nous la paix du Christ en saluant les uns les autres. Paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu juste et saint, tu ne peux recevoir ceux et celles qui crient vers toi. Par cette communion, tu nous donnes part à l'Esprit. Tu nous donnes part à l'Esprit du Christ et nous te prions encore. Garde-nous fort dans la foi jusqu'au jour où viendra ton Fils Jésus, notre Seigneur, vivant près de toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, bon dimanche et bonne semaine. Merci. Merci.